Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous n'avais pas eu beaucoup de vidéos hein, cette semaine, j'en suis désolée. Euh, aujourd'hui, je suis contente. J'ai fait un concours sur Instagram avec euh, en partenariat des éditions de Saxe et de la maison Sajou. Voilà, vous connaissez certainement les deux. Euh, et donc, euh, à eux deux, ils ont fait un concours sur Instagram et j'ai gagné! Voilà, j'ai gagné un lots. Je suis super contente. Je viens de juste à l'instant de recevoir le colis. Donc, j'ai juste coupé un peu le carton, mais je n'ai pas encore regardé dedans. Euh, je veux le découvrir avec vous. Et euh, je suis vraiment super, super, super contente! Alors pour celles qui ne connaissent pas les pages Instagram de, des éditions de Saxe et de la maison Sajou, euh, je vous mets tout ça en barre d'infos, voilà, pour que vous puissiez aller y faire un tour. Euh, la maison Sajou, c'est une maison qui existe depuis très 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 longtemps, euh, qui est vraiment connue, euh, qui ne... avec surtout avec ses fils. Euh, et puis bon il y a d'autres choses hein, dans, la, dans leur boutique vous pouvez vous pourrez découvrir et les éditions de Saxe ben, vous que savez que ce sont euh, les éditions de livres de broderie etc euh, qui euh, sont faites chez eux. Voilà. Allez, on l'ouvre. Donc j'ai juste... Oh, j'ai fait tomber un truc. J'ai juste ouvert de ce côté-là. Je vais me mettre face bureau comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer en détail ce que j'ai reçu en cadeau. À tout de suite. Alors voilà. Hop, je recule. Voilà ce que j'ai reçu donc euh, juste à l'instant, c'est tout frais. Donc je n'ai ouvert que là et on va découvrir ensemble ce que j'ai gagné. Bon, je sais déjà. Euh, pardon, je sais déjà ce que j'ai gagné, euh, mais euh, je ne l'ai pas encore vu en vrai. Voilà. Allez, on l'ouvre. Ouh, il y a déjà des, des petites belles. Il y a des belles choses déjà devant. Alors, hop, on va enlever le carton et on va découvrir ce que j'ai eu. Oh, des des bobinettes. Voilà. Regardez. Bien sûr, avec le flash, ça ne va pas. Voilà, une bobinette. Donc ça ça vient de la maison, ça joue. Alors, attendez, hop. Voilà. Les laines Saint-Pierre, voyez, le fil chinois Donc, c'est touche des, des très vieilles marques que, que l'on connaît bien. Enfin, normalement. Enfin, les brodeuses, tout ça, connaissent, hein, normalement. Et ici, fil au dompteur, ça joue. Vous voyez, un petit long. Donc, donc, une bobinette pour y mettre son fil. Voyez. Vraiment très, très joli. Ensuite, ah ben, j'ai des petites cartes. Alors, la première, regardez, avec les vieux boutons qu'on retrouve dans les boîtes de nos grands-mères. <laughs> Hop, j'ai peut-être mis à l'envers. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Ah bon, non, dans les deux sens, c'est pareil. À voilà, la mode parisienne. Donc, voyez, c'est une carte de chez Sajou. C'est peu... ah, ben, carte postale de collection, édition limitée. Nouvelle série, 500 carte de 1 à 6. Et là, c'est la carte numéro 6. Voilà. Donc ce sont des cartes à collectionner. Et ici en bas, vous avez le nom de la de la marque Sajou. Ici encore une carte avec des petites filles qui brodent. C'est vraiment très très mignon. Et donc c'est la ça fait partie de la collection. Et là, du coup, j'ai la carte numéro 4, celle-ci. Voilà. Vraiment très jolie. Ah, ce que j'aime bien, ce que j'ai vu. Voilà, là, je suis contente de lire ça. Alors, imprimé en France. Là, je suis contente de lire ça. Alors, on va prendre un petit ciseau. Alors, désolé, il hein, y a du bruit. Ils sont en train de euh, délaguer des arbres dehors. Du coup, ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc, c'est bien emballé. Oh, oh celui-là, je vais le garder le papier. Gardez-moi ça. Alors, attendez, si je recule, vous verrez mieux. Regardez. Oh, oh j'adore. Euh, un peu le style de, du tissu joui. Voilà. Avec le nom de la marque. Ça joue. Alors, on va essayer de ne pas trop le déchirer. Parce que j'ai vraiment envie de garder le papier. Voilà. Et on va découvrir ce que j'ai gagné. Ah, il y en a encore un petit là. C'est vraiment bien, bien emballé. Hein? Voilà. Regardez-moi ça. Alors, on a un sachet d'abord, toujours avec la marque Sajou. Donc, mercerie, broderie, couture, maison, fabrication française. C'est une boutique qui est 100% française, euh, vraiment à l'ancienne, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup cette boutique. Et les, la petite histoire, c'est que c'est juste avant de faire le concours, justement, j'avais été voir la boutique Sajou euh, et je voulais me commander quelques petites choses. Bon, euh, mais ce sera dans, dans le mois courant ou le mois prochain. J'ai déjà fait mes petits repérages. Et entre deux, donc, il y a eu ce concours. Et, euh, bah, du coup, j'étais vraiment super heureuse d'avoir gagné. Alors, <coughs> oui, la boutique se trouve à Versailles. Voilà, rue de la Chancellerie. Donc ils ont une page Facebook, ils ont un Instagram, ils ont un, ben, un TikTok et un Pinterest. Voilà, j'irai m'abonner à tout ça. Alors ici derrière, livre de Marie Soares, Univers à Joue, Tableau de janvier. Ouais. Et bien sûr, vous voyez, et ça, je vais le mettre de côté. Et je vais vous le faire découvrir après. Voilà. Je ne veux rien déchirer. <laughs> ok, oh, j'y suis contente. C'est justement des choses que je voulais, euh, que j'avais envie de m'acheter. C'est des laines Saint-Pierre. Voilà, alors attendez, là, on va peut-être remettre le flash. Voilà, des laines Saint-Pierre. Alors, on, avec, on peut repriser, broder, festonner. Voilà, les laines Saint Marc Saint-Pierre sont recommandées pour tous les travaux de dames. Voilà, alors il y a 50% de laine, 50% de polyamide. Oh, c'est d'une douceur en plus. Et le fil, à... c'est un fil à quatre brins. Voilà. Vous voyez, il y a le drapeau français. Lille, France. Ah, bah, du coup, c'est fait dans le nord, ça. Si je comprends bien. laine Saint-Pierre, établissement tout le monde, successeur. Donc, avant, ça devait s'appeler comme ça, je pense. Et la couleur est vraiment très très belle. Alors, je vous montre les couleurs que j'ai reçues. Là, c'est un vert pâle. Alors, je vais le me mettre à côté pour que vous voyez la différence. Là, un parme et un rose. Vraiment très très joli. J'ai les numéros des coloris si jamais ça vous intéresse. Le vert là, c'est le 945. Là, c'est le 843. Le petit parme là, c'est le coloris 615. Le rose, alors il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Hein. C'est le 570. Et bien sûr, j'en ai encore. Oh, mais c'est vraiment d'une douceur. Oh. Alors le marron ici, un peu marron noisette. 444. Voilà, celui-ci, un peu rouille, c'est le 422. Là, un rouge plus rouille aussi à peu près. 377. Et ici, alors c'est un blanc cassé, je pense. C'est le coloris numéro 100 regardez oh que je suis contente ah oh, c'est la première fois que j'en ai dans, dans les mains et je suis vraiment très très heureuse donc là j'ai gagné donc huit fils comme ceci Hop, on va les mettre de côté et je vous fais découvrir le deuxième cadeau et eh oui un livre alors c'est un livre donc des éditions de Saxe euh, écrit euh, et créé par Marie Suarez. Marie Suarez, elle fait beaucoup de broderies euh, très très fines. Euh, J'avais un livre d'elle, de, je ne sais pas si je l'ai encore. Euh, C'était sur les animaux, je crois, mais, ou les insectes. C'était sur les insectes, je crois. Voilà. Et donc là, c'est le tout nouveau. C'est euh, Accessoires brodés. Univers Sajou du coup. Voilà, donc de Marie Suarez. Alors déjà la couverture donne bien envie. Vous voyez Et derrière, alors, ça nous dit La Maison Sajou, ravissante enseigne parisienne représentant la mercerie d'autrefois et bien connue dans le monde de l'art du fil et Marie Suarez, tombée sous son charme depuis longtemps, a décidé de créer ce livre en utilisant uniquement les produits Sajou. La combinaison de ces deux styles vous séduira d'autant plus que Marie mélange les techniques <coughs> oh, excusez moi euh, Marie mélange les techniques et les matières avec un certain charme. Dans ce livre, vous découvrirez douze tableaux brodés représentant les mois de l'année, des motifs floraux et des sampleurs à collectionner brodés avec une grande variété de points onze petits objets brodés pratiques et faciles à monter et une présentation des points utilisés voilà donc pareil je vous mettrai le lien euh, pour retrouver ce livre donc c'est voyez hop, édition de Saxe je vous mets la référence si jamais mais je vais vous mettre le lien hein, pour retrouver le livre voilà Allez, on va le découvrir ensemble. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer les grilles. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre, octobre, novembre, décembre. Le carnet de points, la rose, housse de coussin. Le four tout coloré, le marque-page au feuillage, petit sac tout mignon, pochette plate, petit set mug rung, petit bac à trésor, sachet ajouré, pique-épingle, panneau pratique et en dernier lieu, les points. Donc vous voyez, on va avoir pas mal de choses à faire. Euh, voilà. Donc ça, ce sont des bobines aussi que vous trouvez euh, dans la boutique Sajou. Euh, alors, je regarde pour pas que vous voyez les grilles, hein, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est le mois de janvier. Alors, vous voyez, il va y avoir, ça, ça ne va pas être que du point de croix. Il va y avoir euh, du point de broderie un peu traditionnel. Donc, on vous donnera les dimensions, les fournitures, tout ça. Là, c'est la grille, donc je passe au-dessus. Le mois de février. J'espère que vous voyez bien. Alors, attendez. Hop, voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Le mois de février, donc février à l'atelier. Hop, il y a une grille. Voilà, donc là, ce sont les, les rubans de chez Sajou. Le mois de mars, il est joli le mois de mars. Donc, je ne vous montre pas les grilles. Le mois d'avril sort les fils. En avril sort les fils. Jolie rose, petit cocon. C'est vraiment très joli. Alors, il y a de la... donc, vous êtes dans ce livre, où vous allez retrouver du point de croix et du traditionnel, donc c'est ça qui va être bien. Là, c'est le mois de mai avec un petit ciseau. Voyez, hop. donc, alors je vais essayer de ne pas vous montrer. Euh, voyez, là en bas, hop, ici. On vous, on vous dit les points que vous allez avoir à faire. Alors, point de croix sur deux fils, point de croix sur un fil, point de croix anarchique, euh, point de piqûre, point avant, point zigzag, point d'étoile, passé plat, carré sur sa pointe, point de holben, point zigzag sur jeté. Il euh, y a quand même des points que je ne connais pas, <laughs> j'avoue. Mais rien, ça me permettra d'apprendre. On joint bah, le son de points. Voilà, donc là, vous allez avoir plein de différents points à faire avec les petites marguerites. Donc, vous voyez, il y a du beaucoup de traditionnels. J'aime beaucoup aussi ces beaux... je ne sais pas comment on les appelle, mais euh, ces bobines plates. Euh... Alors, hop, je passe les grilles. Le mois de juillet. Voilà, on voilà, un tout petit peu plus vite hein, parce qu'il y en a beaucoup à vous montrer. Le mois d'août. Et ouais, à chaque fois, il y a une petite phrase. Là, sous le soleil haussien, tirer l'aiguille est un plaisir et il serait bien dommage de s'en priver. Entre autres activités estivales, celle de broder tient une place importante pour toute passionnée. Voilà, il y a une petite phrase à chaque fois euh, sur la page. Alors, hop. Le mois de septembre. Ça fait un, ben là, ça fait un peu rentrer les classes parce que vous voyez, euh, il y a les alphabets. Et là, ils ont un, un, un labrodé, la marque Sajou dessus. Voilà. Octobre. Avec un, un petit chat, ça, oui. La petite tasse de thé marqué sa joue dedans. Alors regardez. Trop mignon. Alors voyez, c'est vraiment... ça va être du traditionnel, hein, beaucoup. Le mois de novembre. Après, et le mois de décembre. Voilà. On a donc tous les calendriers. Alors, je n'ai vais pas donner la taille. Alors, est-ce que j'ai la taille euh, tableau fini? Oui. Alors, ce sont tous des tableaux euh, qui font 19 cm sur 24. Voilà. Donc, 19 sur 24. Vraiment très très beau. Alors le carnet de points, voilà. Donc ici on va nous faire faire un petit carnet avec une broderie traditionnelle pour les fleurs et le point de croix pour marquer carnet de points. J'avais un vieux vieux livre de chez Sajou, je me rappelle, et manque de peau, on l'a perdu avec un déménagement. Mon ami la rose. Donc là, c'est une petite pochette, je pense. Oh là, là, il y a du boulot. Un fourre-tout. mais pour y mettre sa broderie par exemple. Mais là, il y a, là, il y a de quoi faire. Hein. le marque-page très joli j'aime beaucoup un petit sac bon, j'aime bien l'étiquette qu'elle a mis à l'intérieur regarde Alors, je ne sais pas si c'est si. fabriqué à la maison <laughs> vraiment très joli avec la petite tour Eiffel Là, une pochette plate. Alors, ce genre de pochette, euh, ça me fait penser. Euh, vous savez, les petites pochettes comme ça en tissu où on mettait la serviette de table dedans Je ne sais pas si vous avez connu ça. Euh, chacun avait sa pochette avec sa serviette dedans. Ça me fait penser un peu à ça. Là, elle dit, elle dit que c'est pour mettre des documents ou objets précieux. Et on peut la mettre dans son sac à main. Ici, alors un petit set mug rung. Donc brode avec ton cœur et savoure le bonheur. Post café. Donc là c'est un petit set de un mini set de table bah, pour le café, le moment du café. Ça m'embêterait de mettre mon café dessus. J'aurais peur de le tâcher. <laughs> Ou alors le plastifier. En plus. Ici. Ah, c'est mignon, ça. J'aime bien. Euh, une petite boîte comme ça. Un petit bac à trésor, comme elle appelle ça. Là. Un sachet ajouré. Donc là, on va faire de la broderie ajourée. Alors, je vous montre. Vous voyez là. Euh, Je ne sais plus comment est-ce qu'elle le marque. C'est un nom, hein, cette la broderie comme ça. Non, elle le marque pas. Moi, qu'elle le marque dans les explications. Je jette un oeil sur le côté. Euh... Non. Je sais que ça a un nom. Non, c'est pas ma c'est pas grave. Oh, le, euh, le pic épingle, il est joli aussi. Et est-ce qu'on a encore une petite chose Oui, un petit panneau. Voilà pour y mettre bah, des petites choses. Voilà vos fils, hein, vos cartonnettes de fils, vos ciseaux, pourquoi pas. Et dernière. Oui, voilà. Donc là, on a tous les points que l'on va pouvoir rencontrer, je pense. Donc, on a le point de piqûre, point zigzag, point avant, point d'olbène, point de chaînette, point de chausson espacé, point de tige, point de plume, point de feston, point d'épine, point carré ou quadrillé, point turc, application au point de Paris. Et là, point avant surjeté, triple point avant surjeté, point de mirliton, triple point avant surjeté en mirliton, triple point avant surjeté en, en aller-retour. De surjetés, point de chausson, espace C surjeté, point de zigzag surjeté, point de chaînette surjeté, point de feston surjeté, point de gerbe noué euh, et point de chaînette en zigzag. et Quelques points isolés, alors point lancé sur pavé ou passé plat, point de croix sur pavé ou passé plat, point de gerbe, point lancé, quart de point d'œillet, de point d'œillet, de demi-point de rodesse point de bouclette feuille au passé plat et le point de remplissage c'est le point de reprise donc c'est celui-ci le dernier mais je et il y en a encore derrière voilà donc on vous montre encore des points Bon, je ne vais pas tous vous les redire, hein, mais c'est d'autres points, là. Hein. Il y a le smir, le point de smir, le double point de croix, les étoiles, voilà. Et ici, on vous montre. Vous voyez comment faire le point d'araignée tissé, par exemple, le point de chaînette, le point de poste, le jour... Rivière serpentine. Voilà, le jour a fait son noué, etc. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Et on termine par une très belle image d'Hélène Saint-Pierre. Voilà, comme ça. Vraiment un magnifique livre. Donc, je vous remontre ce que j'ai eu en cadeau. Donc, ce joli livre écrit par Marie Suarez, fait aux éditions de Saxe j'ai eu également donc huit cartonnettes de laine Saint Pierre voilà Hop. et également en cadeau en plus des cartes à collectionner euh, en édition limitée et des petites cartonnettes à bobiner le fil. Voilà. Bah, écoutez, moi j'ai été super bien gâtée. Euh, je suis vraiment très très heureuse d'avoir fait ce concours. Souvent je fais les concours hein, sur Insta, sur euh, YouTube, tout ça. Mais vraiment sans. Pff, euh, en pensant d'office que je ne vais pas gagner. <laughs> Mais là pour une fois euh, je me suis trompée, j'ai gagné et j'étais vraiment super super heureuse euh, quand j'ai pu euh, quand j'ai eu le message privé de la boutique, enfin de la boutique des éditions de Saxe. Euh, j'étais vraiment très très heureuse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous euh, fera connaître la marque Sajou, peut-être que vous ne la connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir leur boutique, à leur page d'Insta, tous les liens que je vais vous mettre en bas, les éditions de Saxe également. Euh, mais euh, la boutique Sajou vaut vraiment le détour. C'est vraiment une boutique magnifique avec des produits vraiment euh, magnifiques, superbes, d'une qualité euh, inégalée et euh, 100% française. Voilà, c'est une boutique qui est vraiment 100% française, donc n'hésitez pas à aller euh, voir euh, toutes leurs petites merveilles. Voilà, alors moi je dis, euh, j'en profite pour euh, remercier énormément les éditions de Saxe et également euh, la boutique Sajou. Et je remercie aussi Marie Suarez hein, au passage pour ce magnifique livre qu'elle a fait. Euh, J'aime vraiment euh, son, beaucoup son univers, donc euh, ben son, le, son nouveau livre euh, est encore une belle réussite. Bon, maintenant il va peut-être falloir que je, que je m'y essaye euh, parce que bon, le, les, la traditionnelle j'en ai fait, mais ça fait très longtemps. Donc, euh, mais bon, ça doit être comme le vélo, ça s'oublie pas. <laughs> Malgré qu'il y a des points euh, dedans que je ne connais pas du tout. Donc, ben c'est euh, pourquoi pas d'apprendre justement euh, à les faire. Voilà. Euh, donc, je remercie beaucoup euh, ces trois personnes, enfin, ces deux boutiques les éditions de sacs, la boutique Sajou et Marie Suarez pour ces magnifiques cadeaux. J'en suis très, très heureuse. Voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.